Tutto era cominciato il 12 aprile del 97 per un grave incidente sull'autostrada nei pressi di Rossiglione. In quella notte Anna, la mamma di Marcella, si impegna ad andare a Lourdes a piedi se la figlia, volata da un viadotto, verrà ritrovata. Ti consente di vivere delle emozioni che correndo non hai. Nel senso, correndo il tuo obiettivo è quello di scare davanti agli altri. Camminare ti consente di stare assieme agli altri. En France, l'intégration c'est dans la Constitution, c'est dans les lois maintenant. Mais le problème c'est les moyens. Or, on est toujours quand même, un peu moins aujourd'hui, mais dans la charité, dans la pitié, plutôt que dans la reconnaissance des droits. Quand on est handicapé, on n'a pas envie de ces sentiments-là. On a envie d'être traité comme les autres, tout simplement. Et ça, c'est formateur de mettre les gens en situation de handicap pour expérimenter. And I wonder if sont des choses qui ne servent pas seulement pour les handicapés, mais aussi pour l'ancien avec la canne, ouais. Pour la mère avec le poussette. La maman avec la poussette. On ne parle pas de handicapés, mais on parle de personnes, oui. Avec un projet de personnes comme vous et moi. Et... I don't think I risk another these days. Je fais que des sports comme ça, où je peux le faire avec des valides. C'est plus intéressant, je trouve. On adapte les équipements de manière à ce que ces équipements puissent permettre aux handicapés de pouvoir accéder aux douches, au terrain, depuis leur voiture, quoi. Ce qui est important, c'est de s'insérer, d'être au milieu de tout le monde. J'ai fait partie vraiment de l'équipe de France de ski de fond. Et en 98, j'ai eu la médaille de bronze pour un relais en ski de fond. Je fais de la compétition, donc ça me tient quand même dans la vie de tous les jours, à m'entraîner, à me bouger déjà, et à me donner une source de motivation. On se mélange, et c'est plus vivant pour tout le monde. Et mélanger les genres, mélanger des vieux, des jeunes, des sportifs très bons, des sportifs amateurs, des sportifs handicapés, des sportifs valides, c'est... Socialement, c'est très intéressant. Pour les personnes handicapées, c'est souvent au niveau de la voirie, les trottoirs. Mais une personne handicapée, c'est pas que ça. C'est une personne avant tout. Siamo tutti diversi, non c'è un DNA in comune, perché dobbiamo essere uguali? Siamo unici, è un DNA a testa. È unico, siamo già diversi. Cosa mi rappresenta che siamo diversamente abili?